Monsieur le Président Jacob. Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous sur cette jurisprudence, sauf que le vote était engagé. À partir du moment où vous appelez à voter, la procédure est engagée. Et vous avez renoncé à cette procédure simplement parce que vous étiez minoritaire. Non, Monsieur le Président. Et si vous êtes minoritaire, c'est parce que vous n'êtes pas solide sur ce sujet. Vous n'êtes pas solide à la fois sur la forme et sur le fond. Mais ce qui est grave, vous savez, cette jurisprudence, déjà, c'est une déviance de notre règlement. Monsieur le Président. Déjà, attends, je vais au bout de mon rappel au règlement. Monsieur le Président Jacob, est-ce que je dois entendre de vos propos que vous mettez en cause la présidence ? Je m'adresse au Président Jacob. Je vais vous répondre avec beaucoup de clarté. Je vous en prie, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Oui, la procédure de vote était engagée. Et respecter la présidence, ça ne veut pas dire qu'on interprète librement le règlement. Le règlement, quand vous dites « je mets aux voix », la procédure est engagée. Et c'est uniquement parce que vous êtes minoritaire, vous êtes incapable de mobiliser votre camp. Monsieur 10 jours le après président avoir Jacob, mis en place un nouveau vous, gouvernement, Monsieur le Président ce gouvernement Jacob, vacille. Monsieur vous le êtes Président faible, Jacob, vous êtes vous fragile. Et c'est pour vous ça ne que vous vous adressez là. Pas à la présidence en ces termes, mais dont je vous rappelle que vous vous adressiez à la majorité. Très respectueux, Monsieur le Président Jacob, s'il vous plaît, que vous adressiez à la majorité pour expliquer qu'elle n'était pas, selon vous, majoritaire, oui. C'est votre affaire. Que vous vous adressiez à la présidence en ces termes me semble être pour le non, moins discourtois. Non, 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 les termes sont très bien. Tout à fait choisis. Vous avez eu votre explication de vote.